everybody! Welcome to my vlog! Aujourd'hui, on est le 31 décembre 2020! 2020! Last video of 2020! Ça c'est freckle. Aujourd'hui, j'avais envie de vlogger, dans le fond, le dernier, ben en fait le premier vlog de 2021. Parce que 2021, ça va être notre année, ça va être mon année, ça va être notre année à tous, à toi qui écoutes cette vidéo. Ça va être ton année, ok? On a jeté du foulé. Ben c'est ça, je veux commencer l'année en force, en faisant plus de vlogs, être plus active sur ma chaîne YouTube. C'est une résolution que je me donne à chaque année, qu'à chaque année, je fais pas. Ben, en 2020, je l'ai quand même un peu fait, mais c'était pas parfait, on va se le dire. Fait que là, cette année, là, je me donne le défi, là, je me donne. Fait que je me suis dit que j'allais commencer l'année en force. Je vais arrêter de parler un peu parce qu'il faut que je me prépare. Parce que là, ben, on est jour de l'an. Si vous avez pas compris, on est jour de l'an aujourd'hui. Fait que là, faut que je me lave parce que mes cheveux sont dégueulasses. Puis, faut aller à l'épicerie chercher le souper. So, peace out! A-Town! Hey, j'ai tellement d'énergie. C'est parce que j'ai bu un cappuccino glacé. This is the best thing ever. Genre, je trippe sur le cappuccino glacé. Il n'y a plus rien présent. C'est ça, même la même laver pour de vrai, là. Oh. Ok, je veux juste vous dire, Freckle est tellement cute. Il est juste là sur le tapis, puis il me regarde. Oh. Ok, maintenant, je suis toute habillée. J'ai changé d'outfit parce que là, j'étais tannée de l'autre. Je vais faire ma skincare routine. Je vais vous montrer un peu ce que je fais. Bon, évidemment, j'utilise Arbonne pour ma skincare. Première étape, j'utilise la brume tonique rafraîchissante. Voilà, comme cela. Donc, je fais des petits pushes. Là, je prends mon gommage lissant de la gamme Prep Work. C'est mon préféré, c'est pour les points noirs. Dans le fond, c'est un petit exfoliant, mais assez doux pour le visage. Je vais être utilisé à tous les jours. Donc, ça, là, je l'aime vraiment. C'est mon préféré. Donc, je me mets ça. Il y a comme plein de petits grains dedans qui s'accélèrent. Ça exfolie bien la peau. Ensuite, une étape que j'aime vraiment faire, c'est mettre un petit sérum. Donc, aujourd'hui, j'ai utilisé le sérum de la gamme Bio Hydria. Sinon, des fois, j'utilise Super Calm. Mais ce soir, j'ai utilisé Bio Hydria. Donc, c'est pour venir hydrater plus en profondeur. Fait que c'est bien de mettre ça avant de mettre la crème hydratante. La crème hydratante Super Calm. Là aussi, aujourd'hui, je vais mettre mon self-tan. Parce qu'on s'entend que quand on est bronzé, ça booste la confiance en soi. Fait que I wanna feel like that. Fait que j'utilise le self-tan de Arbonne aussi. By the way, si vous voulez shop ces produits-là, vous pouvez aller sur mon lien dans ma bio Instagram ou dans la bio ici, je vais le mettre aussi. C'est mes produits préférés, je les aime tellement, je t'accro. Il fait vraiment un bel effet. Super naturel, en fond, ça fait juste bronzer ta peau naturellement. Très important, après avoir mis le self-tan, il faut se laver les mains parce que sinon tes mains viennent dégueu. J'ai tellement d'énergie, oh my god, it's the new year! Là, on est rendu à l'étape du make-up. Oh, je viens de réaliser que la lumière était pas au max. Mais un éclairage est même mieux de même. Ça apprécie. Excusez-moi, gang. Là, on est rendu à l'étape du maquillage. Là, je me suis lavé le visage, fait que je vais mettre le fond de teint. J'utilise le fond de teint de chez Vichy. Là, ma belle amie Heidi, qui est pas mal meilleure en maquillage que moi, me dit que c'était bien de mouiller son Beauty Blender avant d'appliquer quoi que ce soit. Il est quelle heure? Je vais aller à l'épicerie là. Il est 6h11. Je vais faire un petit vision board. Je vous conseille de faire la même chose pour 2021. Puis si vous voulez que je fasse une vidéo où je vous montre comment faire un vision board, ça me fait plaisir. J'aime vraiment ça, faire des vision boards. Puis je vais le changer tous les mois, comme pour mes objectifs de février et de janvier. Comme là, j'ai mis mes objectifs pour le mois de janvier, de faire plus de vidéos sur YouTube. Là, ma petite môme que j'aime, elle m'a offert pour Noël un concealer. Ici, un cachet en français. On va essayer ça. Il a vraiment l'air orange, genre, checké. Normalement, un concealer, c'est supposé être genre full pâle. Peut-être que c'est un concealer pour les peaux foncées, genre. Non. Tu sais, comme là, live, là, je sais que ça marche pas, parce que normalement, là, c'est pas supposé être foncé de même, un concealer. Oh, zut! Là, c'est parce que crime, j'ai de l'air orange. Ça marche pas pantoute. Et bâtard. Ok, là, ça va être mieux, là. Hey, là, pour une fois que je fais un maquillage qui est quand même cute. Tantôt, j'ai écouté des tutoriels pour savoir comment bien me maquiller pour ce soir. J'ai vu une fille qui mettait son highlight avec une grosse brosse. Moi, j'étais sûre qu'il fallait mettre un highlight avec genre, une petite brosse, là. Genre ça. Je vais essayer sa technique. Puis là, ça c'est une étape que j'aime vraiment, c'est sur le petit bout du nez. Ensuite, mon blush. Là, moi, je souris, puis je la mets sur mes joues. Là, je vais faire mes sourcils. Ça, là, c'est l'étape la plus importante de mes maquillages. Parce que moi, dans la vie, j'ai pas de sourcils. Genre, mes sourcils sont inexistants. Où sont-ils? On ne les voit pas. Quand je vais les maquiller, ça va être comme... Ah! Ça, c'est mes sourcils avant. And here's the after. Non, attends, là, y a du people. Mais je trouve tellement que ça change mon visage. Comme, pourquoi j'ai pas ces sourcils-là naturellement? Pourquoi? Là, je vais me faire des ombres à paupières, puis gang, c'est tellement rare dans la vie que vous allez me voir avec des ombres à paupières, je fais jamais ça. Fait que je vais essayer ça pour aujourd'hui. Ok.
Fait que là, oh my god, c'est tellement l'enfer, regardez avec ça. J'ai goût de me faire des yeux bleus, mais je pense que je vais regretter. Je pense que je vais juste mettre de quoi de genre de brun. C'est beau brun? Je vais juste y aller avec ça. Ensuite, je vais prendre une couleur plus sale. Je vais le mettre genre au milieu. J'ai-tu de l'icône pareil? Là, je vais essayer de faire de quoi. J'avais vu une fille qui avait genre pris du noir, qui avait été vraiment juste sur la petite... comme c'était une petite ligne d'eyeliner. Hey, c'est du challenge ça. À date, je pense que c'est quand même pas pire. J'ai lavé mon pinceau parce que là, je veux faire les places qui sont vraiment supposées être genre blanches. Bam! Crème, je suis fière de mon look pour vrai. Je sais pas si on voit bien à l'écran. On dirait que j'ai l'impression que la caméra c'est moins beau qu'en vrai. Ok, ok. Tantôt j'ai oublié, mais je vais mettre mon petit genre de. C'est comme pas un rouge à lèvres, c'est genre un gloss avec une petite teinte rouge dedans. Je suis tellement différente de d'habitude, genre. C'est fou comme. Genre, fast forward à l'autre début de la vidéo, là. C'est comme. C'est pas la même personne, là. It's a new woman, I told you! Ensuite, last but not least, on est rendu déjà à la dernière étape. Je vais mettre mon mascara. Là, j'ai courbé mes cils, puis j'ai utilisé le mascara. Je vais utiliser ce mascara-là, Speak Volume de chez Arbonne. C'est mon mascara préféré parce que dedans, il y a des vitamines qui font allonger les cils. Donc, ça, c'est vraiment nice, là. Ok! Ma carte mémoire est tombée full. Fait que je vais juste vous montrer le final look. Here it is. Je suis vraiment fière pour vrai du résultat. Je sais pas, je trouve ça quand même différent. Ça fait vraiment différent. Là, je vais aller à l'épicerie. Je vais chercher mon souper parce que j'ai pas encore souper. Puis il est 7h. Faut que j'y aille, là. Parce que sinon, ça finira jamais. Let's go to the épicerie. Ok, gang. Gros fail. Je vais en aller à l'épicerie. Puis je viens d'apprendre. Je sais pas pourquoi j'ai mon masque là, chez nous. Je viens d'apprendre que l'épicerie est fermée. Elle ferme à 5h. C'est tellement genre. Typical me, genre je suis tout le temps, je sais jamais moi c'est quoi les heures. Oh boy. Fait que je vais aller à la belle province, mais chercher une poutine, garde. Moi je vais aller me chercher des sushis là, healthy life, mais là garde, aller chercher une poutine, live your life. Là je me suis mis un petit sweater parce que j'avais un peu froid parce que j'étais allée dehors. Puis là j'ai vécu toutes mes aventures, gang. Tu sais, je vous avais dit que j'allais aller à l'épicerie. Ça, c'était le plan principal. Là, j'ai appelé ma mère parce que demain, on va se faire un petit souper pour le jour de l'an. J'ai expliqué ce que je comptais acheter pour le souper. Puis là, elle me dit, ah, mais c'est fermé, l'épicerie. C'est fermé à 5h. Puis t'es rendu 7h. Fait que là, j'étais comme, bon. Moi, j'étais pas encore allée, là. Là, j'arrive, je me suis dit, ah, ben écoute, je vais prendre une petite poutine, tu sais. À Belle Province, c'est proche de chez moi. Fait que, à Belle Province. Crime, c'était fermé aussi. Je passe devant, c'est fermé. Fait que là, j'étais allée au McDo. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que le McDo, c'est vraiment pas ma... mon fast-food préf, là. C'est comme... Des fois, ça me dérange pas d'en manger, comme à soir, mais... J'aurais peut-être préféré l'épicerie à la base, parce que je voulais aller chercher des sushis. Je vais vous faire un petit haul, McDo haul. First, I have this cute fries. Moi, j'adore les frites du McDo, ok? Je viens de vous dire que j'aimais pas le McDo, mais les frites du McDo... Ok, ça commence bien le haul. Ranger les frites d'une parure. I'm such a mess. Look at this. Oh my god, I can't believe I just did that. Comme quoi que 2020 là, il est temps que tu finisses. Tant que tu partes, je t'en ai 2020. T'en ai là, j'échappe mes frites le divan là. Oh, tu niaises. J'ai-tu perdu des frites? Oh, je pense que ma caméra est tombée. Ça, apprécie, fais-moi pas peur de même. Ok, Dégâts nettoyés. Bon, on va continuer le haut, j'espère que j'ai pas tout échappé. Quarter Ponder Cheese. Call the leaf. Attention, on va l'ouvrir ensemble, regardez bien ça. Et finalement, mon petit drink. J'ai pris mon petit smoothie. Chin! Fait que là, je vais manger ça. Tranquille, en écoutant des vidéos YouTube. Hey, c'est encore moi dans ma salle de bain, ça se peut-tu? Je suis gossante pareil. T'es-tu allée de me voir dans ton écran? J'espère que non, parce que le vlog est pas fini. Je vais friser mes cheveux parce que là, mes cheveux ont séché naturellement. J'ai comme laissé sécher à l'air le reste. Je vais essayer une nouvelle technique. Moi, normalement, quand je frise mes cheveux, on a dit, oh my god, c'est qu'on est tombé. Petit smoothie. J'aime tellement les smoothies. Ce que j'allais dire, c'est que je vais essayer une nouvelle technique pour me friser les cheveux. Normalement, ce que je fais, je me fais une couette puis j'ai frise dans ma couette. Mais là, aujourd'hui, je vais essayer de les friser sans me faire de couette. Genre, me faire ça vraiment intense. J'espère que ça va être beau, sinon je vais faire la technique de la couette, ok? J'essaie de quoi? J'ai comme frisé dans mon essence, je pense. Ça fait comme que j'ai fait. Oh my god. J'arrête de faire n'importe quoi.
Bon, je pense que c'est pas mal ça. Aïe, aïe, stick, je me suis brûlé les sourcils. Là, c'est parce que vous voyez rien de ce que je fais, là. Je suis une mauvaise YouTuber. Il y a Freckle. Freckle, il veut venir. Freckle, c'est parce que là, c'est chaud là-bas. Faut pas que tu y ailles. C'est trop chaud. Tu vas te faire mal. Aïe, aïe, stick. Oh my god, j'ai poigné mes cheveux dans mon. Ok, j'ai poigné la twist, là. Je comprends, là. Bon, là, je l'ai, là. It's gonna be so cute. Hey, c'est tellement beau. Genre, je comprends pas comment je suis arrivée à ça, genre. Genre, c'est comme tout vagué, c'est super naturel. J'adore. Est-ce que vous êtes plus team curly ou plus team bleu? Oh non, fuck, j'ai plus de batterie. Bon, ben, allez, on va faire une transition. Voici mon look final. Puis là, j'ai fait un TikTok aussi. On n'entend pas très bien à cause de la musique, mais j'ai fait un TikTok. Vous irez voir. Mon name tag, c'est Lauriane Baramba Olivera, je pense. Fait que vous irez voir ça. Là, mon petit chum est arrivé. Fait que je vais aller profiter du dernier temps 2020 avec lui. Puis je vous reviens plus tard. Bye! Hello! Là, je suis tellement fatiguée. Il est présentement 10h55 et on est toujours le 31 décembre. Comme vous pouvez constater, je ne suis plus maquillée. Je suis revenue à mon look normal. Tu sais, quand t'es fatiguée, puis là tes yeux ils piquent, genre, là c'est parce que si j'ai mon maquillage, il faut comme tout que je me frotte, genre, parce que c'est pas le fun. Fait que je me suis démaquillée. Puis je me suis aussi changée. Parce que là, ben, je commençais un peu à avoir froid. Puis je voulais être confortable. Tu sais, je me suis dit, hey, 2021, là, on va être confo. Fait que je me suis mis un pantalon de jogging que j'ai reçu à Noël par ma petite mom. Tout ça pour ça, dans le fond. Mais tu sais, vous l'avez quand même vu, là. Puis je l'ai gardé quand même longtemps. Tu sais, comme je viens juste d'aller me démaquiller, là. Puis presque 11 heures. Fait que. Mais la dernière fois, il reste une heure. Puis j'étais avec Dodo. Puis David, il est très fatigué. David, il dort. Mais ça me dérange pas, là. Moi, je suis vraiment fatiguée aussi. Fait que j'essaie de rester éveillée. On dirait qu'en 2020, je suis devenue vraiment plus une morning person. Fait que là, ben, rester éveillée tard de même, je suis comme. Je suis pas habituée, là. Mais écoutez, c'est sûr que je vais rester éveillée, là. Je dis juste que je suis venue vous parler un peu pour faire un petit update. Fait que là, je vais vous reparler quand on va faire le décompte. Je vais filmer un peu le décompte. Puis on se revoit en 2021. C'est excitant tout ça. Moi, je suis la Lauriane du passé. Là. La Lauriane de 2020. Là. On veut pas la Lauriane de 2020. Non, non, non. Pas 2020. 2021, par contre. Yes! Ok! Je veux juste vous dire que je vous souhaite une très bonne année à tous ceux d'entre vous qui écoutent cette vidéo présentement. Je vous dis merci, puis je t'aime vraiment. Je t'aime fort, puis merci de m'écouter. Puis j'ai hâte de voir ce que 2021 nous réserve. Puis je vais faire plein de vidéos, plein de contenu. Fait que j'espère que vous allez aimer ça. Donc c'est ça. Il est 11h57. David dort. J'ai même mon chat là. Plein d'amour, la santé, du bonheur, beaucoup, beaucoup de santé. Puis j'espère que 2021 va être une meilleure année pour tout le monde. Plein d'amour!